Coucou, bienvenue dans la quatrième vidéo de la formation. Dans cette vidéo, je vais parler des 26 verbes essentiels du niveau A1. On va apprendre à utiliser ces mots avec les exemples que je vais te montrer. C'est parti! Oh, coucou! Ok, 那么在这个视频里面呢, 你是可以看到我的英文，想通过一些比较真实的语气来给你展示这些动词的用法。 Ok, 第一个非常具有挑战性, avoir. J'ai 29 ans. J'ai un cours de français à 11h. J'ai très faim. Il a trop froid. J'ai envie de faire une sieste. 后三个其实都用到了avoir的一些短语。第二个, faire. Je fais du sport le matin. Elle aime faire la cuisine, mais elle n'aime pas faire la vaisselle. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde la télé. Il fait très chaud aujourd'hui. Faire, 在法语中, 有的时候是一些动词短语, 有的时候是一些无人称的用法。 第三个, aimer, 表示喜欢。 J'aime les comédies. Je t'aime. J'aimerais voyager en France un jour. Il s'aime beaucoup. 这个呢是条件式表示你喜欢就有这样一个愿望。 Être. Je suis chinoise. C'est mon frère Maxime. Il est 11h. Elles sont contentes. 后面可以跟一些形容词或者是在这些set的句式中，然后这个是无人称，表示时间。 Allez. Je vais au supermarché pour faire les courses. Je vais chez le coiffeur cet après-midi. Je vais finir mon travail bientôt. 可以表示去某个地方，或者是构成一个小小的时态。 Appeler, 或者是 s'appeler. Je m'appelle Xinping. Je t'appelle ce soir. On s'appelle? Parler. Je parle un peu français. Tu parles trop fort. Parle moins fort. Je peux parler à Madame Bressin? De quoi vous parlez? On parle de ce livre. Il me parle de ce livre. 这里面主要是用到了一些说语言, 还有就是和某人说, 还有就是谈论的那个 parler de 短语。 Vouloir. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Je veux faire une sieste. Veuillez éteindre votre téléphone. 首先,我们经常在条件之中会看到它,也可以表达你自愿的一个想做某事的感觉,或者是 veuillez表示请,也就是 vouloir 的命令式的形式。 Pouvoir. Pouvez-vous vous présenter? Je peux avoir une carafe d'eau, s'il vous plaît. On pourrait aller à la plage. 最后一个呢，也是条件式，表示一个建议。 Devoir. Tu dois arriver à l'heure. Tu ne dois pas manger avec la bouche ouverte. On doit partir maintenant. 它可以表示非常强烈的那个要不要怎么样，或者是表示建议的那个应该怎么样。 Habiter. Tu habites où? J'habite en France. Elle habite au centre-ville. Il n'habite pas loin. 后面我们经常会跟一些住在的这样子的表达. Venir. Mon copain vient du Portugal. Je viens de finir mon travail. Tu viens avec moi? 可以构成短语 venir de 表示来自。 或者是 venir de 表示刚做完某事情， 或者是一个简单的动作表示来。 Arriver. Vous arrivez vers quelle heure? J'arrive. Je n'arrive pas à ouvrir la porte. Arriver 可以表示简单的到， 或者是构成一个短语 arriver à faire quelque chose 做成，或者它的否定形式表示做不成。
Dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que tu dis? Ça te dit d'aller à la plage? Ça te dirait d'aller à la plage? Écoutez. Écoutez le document et répondez aux questions. Je vous écoute. Ting. Entendre. Tu m'entends? J'entends du bruit. Entendu. Regardez. Regarde cette photo. Elle regarde la télé dans le salon. 这里面是表示专心或者是注意力集中的那种看。注意和下面这个词进行区分 voir 或者是 se voir。Je vois. J'ai vu ta copine hier. Je vais voir mes parents dans le sud ce week-end. On se voit bientôt? 首先这个看呢，在这个句型里面它表示看见，当然它可以表示明白。这里面表示看望某人的时候也会用到。最后一个是表示互相见面。Savoir, je ne sais pas. Je sais nager. Je sais que tu nages bien. 首先，它可以表示知道不知道，或者是表示会做某事。我们会跟动词原形。最后一个是 savoir que 引导出一个从句。Connaître, se connaître. Je suis contente de te connaître.Tu la connais? On se connaît? Je connais bien ce resto, moi. 当然最后一句 resto 是 restaurant 的意思。Prendre. Je vais prendre un café, s'il vous plaît. Je vais prendre cette robe. Il prend le métro pour aller au travail. Vous prenez la deuxième à droite. 也是非常实用的一个词汇。Partir. Je dois partir au travail là. Là, 在这边就是马上就这个点儿。Je pars de chez moi. Partir de. Tu pars quand? Sortir. On sort ce soir? Sors. Minish. Elle est sortie du cinéma. Il y a une comédie qui vient de sortir au cinéma. Une année difficile.这里面表示上映，也是一个非常灵活的词。Finir. Tu as fini ton travail? Je finis de travailler à 18h. Commencer. Il commence à pleuvoir. J'ai commencé le film il y a 30 minutes. Rentrer. Je suis rentrée. Je ne vais pas rentrer trop tard.Voilà, 那这个就是法语 A 级别26个超实用动词它们的用法。希望通过这些例子呢，你了解了和这些动词常见的一些搭配。